Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Alors normalement, j'aurais dû faire une dégustation du nouveau King Deal de chez Burger King. Enfin normalement, je l'ai fait, la carte mémoire a pas voulu que je la fasse. Concrètement, la carte mémoire a shutdown pendant que j'étais en plein tournage. Du coup, le rush est perdu et cette semaine, je peux pas vous proposer cette dégustation. C'est pourquoi je me suis dit, il fait très froid. D'ailleurs, j'espère que vous avez survécu à cette semaine un peu fraîche. C'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai mon manteau. Bon aussi parce que je vais dehors tout de suite après. Mais Subway a sorti un sandwich à la raclette. Donc un sandwich qui doit rappeler le goût de la raclette. Donc c'est l'occasion d'aller tester parce que je vais pas manger dans la semaine deux fois du Burger King quoi. Donc là on va aller à Subway chercher le sandwich raclette, donc qui est composé de rosti, de jambon fumé et de fromage à raclette. Donc on va aller chercher tout ça, on va se retrouver sur le canapé pour dégommer tout ça comme d'habitude. Et vous aussi comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre votre meilleur pouce bleu. Allez, à tout de suite. Bon, on vient d'aller chercher le petit sub 30 des familles. Donc c'est un sandwich, je l'ai pris en pain italien, composé de jambon, de bacon, de rosti et de fromage à raclette. Et dedans on m'a conseillé sauce blanche. La meuf avait pas l'air sûre. Donc je vais vous dire ce que j'en pense de la sauce blanche dans ce sandwich. En garniture, j'ai pris salade, oignon, cornichon, histoire que ça se rapproche le plus de la raclette. Ça se présente comme ça. Alors vous voyez le rosti, vous voyez le jambon, vous voyez les légumes. Peut-être pas forcément le bacon. Pas très très ouf, maintenant on va voir niveau goût ce que ça donne. Bon app les gens. Alors le problème c'est qu'il fait vachement froid dehors et le temps de revenir, bah le sandwich est déjà froid. Je pense que je vais le faire réchauffer un peu. Sinon en termes de goût c'est bon, hein. Fait penser à la raclette. Du coup bah c'est validé quoi. On va faire réchauffer un peu, ça a l'air mieux. Ah ouais, en termes de prix. En termes de prix, en menu avec une boisson à la fontaine et un cookie en 30, ça m'est revenu à 11,20€. C'est quand même relativement cher pour du Subway je trouve. Après en termes de goût, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel non plus. Mais tu retrouves le goût de la raclette. Et ça, c'est cool. Et la sauce blanche se marie bien avec. Ouais, sinon, en vrai, c'est intéressant de retrouver le goût de la raclette dans un sandwich. J'aurais pu faire le gros et demander un supplément fromage, mais ça aurait peut-être fait beaucoup. Puis je me suis dit, du coup, vu que BK n'avait pas pu faire la dégustation, je me suis dit que du Subway, ça allait changer. Ça faisait longtemps que j'en avais fait sur la chaîne. Et c'est un fast-food que je kiffe quand même, donc plutôt content. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si jamais vous l'avez testé aussi, le sub-raclette, comme ils l'appellent. Bon, après, c'est pas un fromage à raclette de ouf non plus. Mais il y a un petit goût caractéristique qui est pas désagréable, quoi. Avec le pain blanc, en plus, je trouve que ça passe bien. Sur la photo de présentation, je crois qu'il est avec un avoine et miel. Dit que j'allais prendre un italien. Je vous ai dit blanc juste avant alors que non, c'est un italien. Bon, par contre, elle m'a mis des oignons entiers à l'intérieur, quoi. Bah bon, avec le temps qu'il fait dehors, ça fait plaisir de manger un truc à la raclette sans être assis autour d'une table à faire attendre que son fromage y fonde et tout. Franchement, c'est validé. Quand vous prenez une bouchée avec le rosti, le jambon, le bacon, le cornichon et le fromage à raclette, vous croyez à la montagne. Après, en termes de notes, je pense que je vais partir sur un 6 sur 10. C'est bon, mais voilà quoi, le prix est peut-être un peu trop élevé. Pour que la note aille au-dessus, quoi. Mais franchement, je le dis depuis tout à l'heure, mais moi je me régale. Dans ce sandwich, je retrouve le côté bien fat de la raclette. Et ça, c'est plutôt cool. Même si les rostis, en vrai, ils sont un peu. C'est un peu sécos quand même. En fait, elle m'a mis des oignons entiers dedans. J'ai l'impression d'avoir pris un oignon, d'avoir croqué comme ça dedans. Maintenant, j'ai full goût oignon dans la bouche. Je pense qu'on va enlever 2-3 couches d'oignon. Parce que sinon... Mais la sauce blanche avec, je valide. Hein. Très peu l'habitude de prendre des sauces blanches, notamment chez Subway. Et franchement, là, ça se marie plutôt pas mal. Bon. On en arrive sur la dernière bouchée du sandwich. Mais en vrai, j'ai eu l'impression de manger une petite raclette. Ça fait le taf, c'est bon, c'est cher. Mais voilà quoi, j'ai une bonne édition limitée de chez Subway. Allez, dernière bouchée.
Bon voilà les potes, la vidéo touche à sa fin. J'espère encore une fois que cette dégustation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez et mettez-moi votre meilleur pouce bleu. Moi je vous laisse là et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.